Internet, c'est Jeff de Guitar School. Aujourd'hui en vadrouille à La Roche-Bernard pour vous expliquer le morceau On ira de Jean-Jacques Goldman. Cette chanson figure sur l'album En passant sorti en 1997 qui marquera le retour du chanteur, compositeur, interprète français. Voilà, je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à me rapprocher pour vous expliquer tout ça. Pour cette chanson, rien de très compliqué, c'est une chanson que je propose à mes débutants au bout de quelques mois de guitare. Des couplets, des refrains, des couplets, un petit pré-refrain pour faire la liaison. Au niveau des accords, on va faire le tour tout de suite, il n'y en a que 4. Le premier est un accord de sol majeur qui s'obtient en mettant l'index sur la deuxième case de la cinquième corde, le majeur sur la troisième case de la sixième corde et l'annulaire et l'auriculaire sur la troisième case des cordes 1 et 2. Vous pouvez tout jouer. Pour passer au ré de cette position de sol, il va suffire juste d'enlever l'auriculaire et de basculer notre index et notre majeur en deuxième case des cordes 1 et 3. Et vous jouez les 4 premières cordes. Le troisième accord est un accord de Do. Vous placez votre index sur la première case de la deuxième corde, votre majeur sur la deuxième case de la quatrième corde et votre annulaire sur la troisième case de la cinquième corde et vous jouez tout. Et enfin, le dernier accord est un accord de Mi mineur que vous obtenez en mettant votre majeur sur la deuxième case de la cinquième corde et votre annulaire sur la deuxième case de la quatrième corde. Vous pouvez tout jouer. Je répète les accords. Sol, Ré, Do et Mi mineur. Au niveau du rythme, un rythme très, très courant qu'on appelle aussi le rythme feu de camp que vous pouvez réutiliser dans plein de chansons recyclables à souhait qui consiste à faire bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Voyons la structure couplet. La structure couplet, on commence en intro avec un sol. Bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Démarre le couplet avec deux mesures de sol. Bas, bas, haut, haut, bas. Deux mesures de ré. Deux mesures de Do, une de Sol, une de Ré. Je recommence ça une deuxième fois. On partira de mille heures où l'on douterait que demain revienne encore. Do, loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Sol, puis on perdra tout. Et Ré. La suite du couplet s'effectue exactement de la même manière et nous allons avoir un petit pré-refrain qui va justement faire la liaison entre notre couplet et notre refrain qui est constitué d'un accord de Do et d'un accord de Ré. Le rythme ne change pas. Bas, bas, haut, haut, bas. Donc on va faire une mesure de Do, une mesure de Ré. Qui se font surprendre soi. Ensuite, nous arrivons sur le refrain. On retrouve un accord de Sol, puis un accord de Ré, un accord de Mi mineur, et un accord de Do. Donc ça, c'est pour la première partie du refrain.
belle. Ré, on ira. Mi mineur, partira. Toi et moi et Do, je ne sais pas. La deuxième partie du refrain se fait Sol. Ré, Do, Ré. Je répète, je vous enchaîne les deux parties du refrain. Sol, belle, on ira, on partira, toi et moi, ou je sais pas. Deuxième partie, y'a que les routes qui sont belles. Sur la poubelle, on ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Deuxième partie, on s'arrêtera jamais dans les ports. Et retour sur le couplet. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage en masse. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! On ira, on partira, toi et moi.